Alors vu, Turbo Kid, très plaisant. Rétro, 80s à fond, vachement plus frais que beaucoup de gros films qui essaient de rejouer un petit peu la nostalgie des films d'antan, puis qui se prennent les pieds dedans. Ça rappellera pour les nostalgiques un peu les Goonies, quelque chose de l'ordre des Gremlins, Mad Max, les premiers. Voilà, inoffensif. Alors vu, également, Green Inferno. C'est long, c'est pathétique, c'est vain quoi, c'est mal écrit, mal joué, la mise en scène elle est passe-partout, c'est parfois ridicule dans les moments chocs. Alors le propos qui se veut cynique, dans la continuité de ce qu'il faisait avec Hostel, mais alors rien de neuf quoi, on frise le ridicule parfois, genre niveau de telenovelas. Est-ce que c'est fait exprès? Malheureusement Eli Roth n'est pas Paul Verhoeven, et alors les cannibales, bah après Bone Tomahawk, hein, puis comme prévu, malgré toute la peinture, bah ils font pas le figure.